Bonjour à toi, cher spectateur. Trois visages de Jafar Panahi, pris du scénario du dernier festival de Cannes. J'avais très envie de le voir, parce que j'aime beaucoup le cinéma de Jafar Panahi, un des rares réalisateurs iraniens à réussir à faire en sorte que ses films s'exportent au-delà des frontières de son pays, parce qu'il faut bien avouer que là-bas, ben, si vous vous renseignez un petit peu, vous savez que le cinéma c'est pas forcément une chose simple à faire en Iran, mais le cinéaste arrive à, à toujours faire en sorte que ses films sortent du lot, arrive à passer les frontières, arrive à débarquer sur nos écrans, et à chaque fois c'est avec une petite surprise, enfin je sais pas si vous aviez vu son précédent, euh, Taxi Téhéran, mais il y avait quelque chose de, de Particulier dans son cinéma et c'est symptomatique de toute sa filmographie. C'est un cinéaste qui aime beaucoup mélanger le réel et la fiction pour faire en sorte de les imbriquer dans un mélange qui va tout de suite prendre sauce. Et ça me donnait envie presque uniquement pour ça, trois, trois visages. Le résumé pour faire simple, alors qu'elle vient de recevoir un étrange message d'une jeune fille se suicidant parce que ses parents ont refusé qu'elle entre en école d'acting, l'actrice Benaz Jafari va embarquer avec le réalisateur Jafar Panahi pour élucider la mort de cette jeune fille et pourquoi elle s'est tuée justement. Et comment vous dire que, bah, une nouvelle fois, ça fonctionne, quoi C'est un cinéma qui va en déboussoler plus d'un si vous essayez d'aller voir ce type de film. Parce que c'est pas forcément un film où on va se dire tout de suite, dès le début, il y a quelque chose de marquant. Le cinéma de Jafar Panahi, c'est un cinéma qui prend son temps, qui développe un ensemble de thématiques, de réflexions, de rapports entre le spectateur et les personnages, qui fait qu'à la fin, le film nous hante. On n'arrête pas d'y réfléchir, de se dire qu'il a un sens plus profond, qu'il a limite une espèce de regard hyper introspectif de la part d'un auteur qui se regarde lui-même en plus parce que Jafar Panahi se met constamment en scène et il se met en scène dans son propre rôle généralement les acteurs qui l'accompagnent ils sont aussi dans leur propre rôle il y a rarement cette barrière fiction réelle qui est mise bien au milieu en fait dans ces films. C'est tout le temps un mix un peu des deux qui va inciter le spectateur non seulement à réfléchir sur la portée que peut avoir le cinéma mais également sur la manière avec laquelle un auteur peut s'en servir. Et je trouve que Trois visages est peut-être l'un de ces films qui aboutit le mieux cette réflexion-là au cœur d'une œuvre bah, qui démontre bien qu'il arrive quand même à faire du cinéma dans un pays où on ne peut pas faire beaucoup de cinéma. Il y a des pays où cela vous choquera certainement. Le cinéma est loin d'être une liberté de création ou de conception. Bien au contraire. Pour beaucoup, il s'agit d'un art qui est devenu une prise de risque, bien au-delà de l'artistique, également de l'humain. Puisque certains risquent leur vie pour tourner des films. Jafar Panahi en fait partie. Mais il est un de ces rares à réussir à passer la barre de son pays, l'Iran, pour parvenir en France et repartir en plus avec des prix et la consécration du public, comme c'est le cas de façon méritée de son nouveau long métrage. Le cinéaste livrant un film d'une justesse et d'une créativité folle en termes d'écriture, mais également de réflexion artistique et humaine. En termes d'écriture, c'est Nader Seivar et Jafar Panei qui ont écrit le scénario. Je trouve que c'est assez sublime de composer un long métrage avec autant de finesse autour d'un contexte qui peut sembler, on va dire, un peu simple. Le film peut paraître très, on va dire, grossier dans ses traits, très facile, avoir tendance à trouver des raccourcis. Mais honnêtement, le scénario de ce film mérite très largement son prêt à Cannes parce que c'est un film. Qui dans son écriture arrive à parler de tellement de choses. C'est à la fois une introspection sur la place que va avoir un cinéaste au cœur de son film, également un regard au travers de ce titre, trois visages sur trois manières avec laquelle on regarde une actrice. L'actrice passée qui n'a pas réussi, l'actrice plaisante qui a réussi et l'actrice future qui aimerait réussir mais que l'on freine par peur qu'elle qu échoue, par peur qu'on puisse l'empêcher en fait d'accomplir son rêve. Tout cet ensemble, toute cette manière de regarder non seulement le métier. Au cœur du cinéma, que ce soit réalisateur, acteur, producteur, tout ce que vous voulez, ou la manière avec laquelle le cinéaste conçoit avec son co-scénariste l'ensemble d'une dramaturgie qui a un vrai rapport entre le spectateur et les personnages, tout ça, je trouve ça a une dimension qui entend que scénario pur et dur, en tant que trame narrative, en tant que dramaturgie, en tant que composition de personnages, de contexte, de mêler la fiction et la réalité, c'est un scénario qui est immense. C'est d'une profondeur folle, c'est d'une intensité dingue. À chaque scène, on est accroché comme ça dans notre fauteuil. On se dit, ça a beau être cheap, ça a beau être simple, ça a beau avoir des personnages où on sait qu'ils n'ont pas de soucis, on s'en fout. Ça nous accroche, ça nous prend en trip. C'est bien écrit, c'est bien développé. Les dialogues sont d'une sincérité absolument dingue. L'ensemble des personnages est attachant. Enfin, c'est moi je trouve ça immense de voir des auteurs qui parviennent avec autant de justesse à composer un scénario où on se dit du début à la fin, j'ai jamais vu ça. Panaï et seivar livrent ici un scénario que je trouve immense, créatif et inventif à chaque scène, démontrant bien qu'aujourd'hui, on peut être 100% original. Afin de se permettre de livrer des films immenses, même si ici, en tout cas, si le film n'est pas immense, le scénario laissant le moindre doute, accompagnant avec une finesse folle chacune des scènes, chacun des retournements, chacun des moments forts qui forgent les personnages, le scénario des deux auteurs iraniens s'impose comme un travail à la fois introspectif, mais également créatif dans le sens le plus pur du terme et le plus symbolique qui soit finalement. Alors la mise en scène, malheureusement, bah ça va aller très vite. Euh, Jafar Panahi faisant un petit peu du cinéma clandestin. Sa mise en scène est assez classique. Et encore, classique est un bien grand mot. Euh, c'est une mise en scène qui est vraiment efficace. Voilà, c'est le mot qui convient le mieux. Jafar Panahi sait qu'il ne peut pas se permettre des mouvements de caméra, des grues, etc. Du coup, il fait au plus simple. Le film est tourné avec des petites caméras, ça se voit, la qualité s'en ressent malheureusement, mais pour autant, la qualité en tant que créativité artistique, il n'en est pas. Euh, éteintes derrière. C'est tout de même un film qui se sert de la mise en scène pour appuyer de nombreuses scènes et pour les rendre impactantes. La sobriété en fait, du dispositif scénographique appuie derrière l'intensité de chacune des scènes. On se retrouve donc avec un film qui a un vrai paradoxe. C'est cheap, ça se voit, mais pour autant, ça ne fait pas perdre au long métrage son intensité. Vous voyez on revient au point de départ. Le film est cheap, mais au final, ce côté cheap apporte une intensité parce que c'est réaliste, parce que c'est vrai, parce que ça sonne comme juste, parce que ça sonne comme intense. C'est pas avec ce film que vous allez apprendre à faire du cinéma, mais c'est peut-être avec ce film que vous allez le mieux apprendre comment se servir du cinéma. C'est pas ce film qui risque de vous faire remarquer le travail qu'il peut y avoir de la part d'un auteur au niveau de la mise en scène. Mais il est très certainement indéniable qu'au travers de ce métrage, vous risquez de voir que n'importe qui, avec un peu de motivation, peut faire du cinéma et peut le faire bien. Panaï démontre une nouvelle fois un vrai potentiel monstre de créativité et de générosité cinématographique, en jouant avec le montage, les faibles possibilités de mouvement de caméra, mais également les possibilités de création que lui permet son pays pour jouer avec les bases d'un cinéma aussi généreux que finalement sommaire. Alors en termes de casting, c'est pas bien compliqué. On retient que trois acteurs Jafar Panaï, qui est égal à lui-même, il a un style un peu candide, il aime beaucoup jouer avec sa personnalité, il a tendance à pas trop en faire. Du coup, il est très sombre, mais ça rend très très bien. j'ai beaucoup aimé Malizier Rezaï, qui est vraiment vraiment excellente dans le rôle de la jeune fille. Dès la première scène, de toute façon, c'est elle qui accroche le film, c'est elle qui crée quelque chose de fort entre le spectateur et l'écran. Elle a quelque chose, cette jeune actrice, elle ira très très bien, je pense. Et l'actrice centrale est extraordinaire parce qu'elle arrive à jouer un personnage. Où il y a une vraie introspection non seulement sur sa profession, mais sur son métier et sur son métier actuel surtout. Et au travers de ça, je trouve qu'elle livre une interprétation qui est vraiment saisissante. Benaz Jaffari est sublime. Cette actrice fait un énorme travail d'introspection sur son métier et l'impact que cela a sur la jeunesse pour une interprétation terriblement sincère qui transcende le film et émeut fortement le spectateur de tout son long. Au bout du compte, Trois Visages est un film qui vous semblera un peu difficile d'accès au premier abord. Passer ce premier abord, c'est un film qui est d'une intensité absolument folle. Oui, c'est un film qui est un petit peu cheap en termes de mise en scène, mais si vous connaissez le cinéma de Jafar Panahi, ça ne va pas vous étonner. Si on arrive à passer ça, le film est vraiment. Hyper bien écrit, c'est l'une des meilleures écritures que j'ai vues depuis très 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 longtemps au cinéma. C'est un film qui est composé avec une justesse du début à la fin dans la manière de concevoir les personnages, de les amener sur le devant de la scène, de concevoir les retournements, les différentes actions, l'enchaînement des séquences. Tout ça, c'est parfait en termes d'écriture. Oui, la mise en scène est un peu cheap, mais les acteurs sont d'une intensité tellement folle que du coup, trois visages de Jafar Panei, je vous le conseille vraiment, en termes d'écriture, c'est un modèle de création cinématographique. Et en termes de mise en scène, ça vous montre que même si vous n'avez pas forcément les moyens de faire un truc énorme, vous pouvez quand même réussir à vous servir des outils du cinéma pour faire quelque chose de clair et de simple et surtout d'accessible. A plus